c'est bon les brocolis en fait? Non. Mais c'est pas le sujet. Alors, je te disais, les érodateurs, c'est incroyable parce que là, ils en ont mis. Le sujet ici, en fait, c'est le caca. Et chouette. Ouais, chouette. Parce que j'ai appris la semaine dernière que si tu mangeais que des trucs verts, tu pouvais faire du caca vert. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin dans ma relation symbiotique au végétal, tu vois, de rentrer un peu en communion avec le soleil, tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment. Mais si, d'une certaine manière, par absorption, tu vois, il devient un peu, si, il devient un peu végétal. Et c'est quand même la forme de vie la plus stylée sur Terre. Et puis c'est bon pour le transit aussi. Non, c'est surtout ça. Non mais, c'est pas si con, parce que quand il pense, prends une vache par exemple, elle mange quasiment que de l'herbe. Donc toute la matière qui la compose vient de l'herbe. Donc on pourrait quasiment dire que c'est un phénomène émergent de l'herbe. Une sorte de « je mange donc je suis » là, une rencontre entre Descartes et Jean-Pierre Coff en somme. Non mais, je sais pas si on n'est pas des phénomènes émergents, au mieux on est des parasites des plantes. Et oui, elles produisent des trucs qu'on peut pas produire nous-mêmes, donc on a besoin d'elles. Et d'ailleurs, en fait, c'est peut-être même elles qui nous parasitent. Quand tu regardes l'histoire évolutive du vivant, peut-être que c'est le blé qui s'est servi de l'homme pour se rendre indispensable et puis coloniser toute la planète. Il y en a partout maintenant. Par contre, je suis désolé les gars, mais vous êtes ni des phénomènes émergents, ni des parasites. Vous êtes juste des tubes à caca. Tu trouves ça normal de dire des trucs pareils, toi? Ok, pourquoi tu l'as invité? Alors, c'est toi qui l'as invité, parce que moi j'avais dit qu'on devait bosser. C'est écrit à réunion, Max, important. En même temps, si tu prends vraiment la base de l'histoire du vivant, t'as la digestion. C'est basique, simple. C'est vrai que dans un second temps, c'est quand même dans un second temps que vient le système nerveux central, juste pour aider à trouver les aliments et les mettre dans le tube digestif et éviter que nous-mêmes on se retrouve dans le tube digestif de quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est secondaire quand même. Secondaire, t'es un peu réducteur. Enfin, vous saviez ce que disait Darwin? Qu'on n'est que des tubes à caca? Alors non. Non mais si, regarde, une des plus grandes œuvres artistiques du XXe siècle, c'est celle de l'artiste Vindelwa, exactement, qui a fabriqué Cloaca, tu sais, une énorme machine pour produire du caca. Bon bah, tu mets des aliments au départ, et puis c'est censé ressortir de la matière fécale de l'autre. Et bah c'est hyper balèze comme machine, c'est quasiment miraculeux le phénomène, quoi. Mais comment on est arrivé là? Bon, en fait, je pense que l'humour du mouvement Fluxus, qui faisait lui-même suite au dadaïsme, l'urinoir de Marcel Duchamp avait bien préparé le terrain. Mais comment on est arrivé à parler de ça? Non mais ça va, on a le droit d'en parler. Alors forcément, dès que c'est à l'extérieur, tu trouves ça dégueulasse, alors que, je veux dire, on est plein de caca. Voilà, toi actuellement, t'es plein de caca, lui, il est plein de caca, les deux nanas derrière, elles sont pleines de caca, Scarlett Johansson, elle est pleine de caca. Gérard Larcher aussi, non? Oui. Yann Moix. Yann Moix. Ça, c'est très juste. Et les lapins et les castors, ils sont caécotrophes. Ça veut dire qu'ils doivent manger deux fois leurs aliments pour bien les digérer. Donc ils mangent leur caca. Oui, j'avais lu qu'on avait on a l'équivalent du cerveau d'un petit animal de compagnie dans le ventre, un nombre de neurones, hein, l'équivalent, quoi, plusieurs centaines de millions. C'est intéressant, ça. Ouais, c'est assez intéressant parce que les chercheurs qui bossent sur les maladies neurodégénératives, genre Parkinson, Alzheimer, et ben ils pourraient détecter les premiers symptômes de cette maladie en observant dans l'intestin, les neurones du système nerveux intestinal entérique. Un peu plus facile d'accès d'aller voir dans l'intestin que d'aller voir le système nerveux central là-haut. Et le système nerveux central des calamars, il est autour de leur œsophage, en donut, comme ça. Ça veut dire, s'ils mangent un truc un peu trop gros, lésion cérébrale. Et apparemment, certains troubles psychiques pourraient être dus au microbiote. Parce qu'on a quand même 2 kilos de bactéries là-dedans. C'est un des écosystèmes les plus diversifiés au centimètre carré. Donc t'imagines la vie chimique que ça produit, ce serait bizarre que ça n'ait même pas d'impact. Dans l'écosystème de Madagascar, les grenouilles arboricoles, elles sont toxiques. Parce qu'en fait, elles mangent des bousiers qui mangent du caca de lémuriens, qui mangent des pousses de bambou dans lesquelles il y a du cyanure. Toxique. Je trouve ça assez intéressant, la notion de microbiote, parce que ça questionne beaucoup la notion d'individu, en fait. On devrait dire nous et pas je. Nous, c'est-à-dire je plus toutes les espèces du microbiote, toutes les espèces qu'on héberge. Les acariens aussi, tout ça. Mais en plus, quand tu regardes en termes de gènes, c'est assez clair, on est plus microbien qu'humain. Mais même en termes de nombre de cellules, non? Oui, si tu vas par là, je crois qu'on a 30 000 milliards de cellules pour 40 000 milliards de bactéries. Bon, après, il faut dire ce qu'il en est, elles sont quand même plus petites. Ouais. Mais je crois que tu as 160 espèces différentes, c'est fou, quoi, réparties sur un territoire assez vaste. Parce qu'en fait, si tu prends l'intestin et que tu le repasses, avec tous les petits plis et tout ça, si t'en fais un truc là, ça fait 200 mètres carrés de surface. Un logement de 200 mètres carrés chauffé au gaz en plus. Et ce qui est fou, c'est que quand on sort de notre
maman, quand on naît, on n'a rien dans notre tube digestif. Et à peine on est sorti, on commence à se faire coloniser, et après c'est à peu près les mêmes espèces qu'on va garder toute sa vie. Moi ça m'a vachement ému, tu vois, je me sens vachement bien avec moi-même depuis que je sais que je suis une arche, un peu, tu vois, une espèce de d'exosquelette, une espèce de vaisseau comme ça dans lequel j'aide toute une communauté de bactéries différentes à voyager comme ça dans l'espace. L'exosquelette c'est une bonne image, tu sais c'est comme le méchant dans les Tortues Ninja, la Krang, en fait c'est un exosquelette, un robot, mais Krang lui c'est juste un petit cerveau là qui est dans une cavité qui parle, donc on est un peu Krang en fait. Et il y a des acariens, ils ont pas d'anus, du coup ils mangent et paf. Et paf quoi, ils explosent. Ouais, ils meurent. Et je sais pas si t'as remarqué, mais il y a de plus en plus de gens qui ont des troubles intestinaux. Et je me demande si ça vient pas un petit peu de la bouffe industrielle qu'on mange. Oui, ou de l'approche médicale. Les médicaments, avant, défonçaient toutes les bactéries. Voilà, sans précision. C'était Vietnam, quoi. Mais d'ailleurs, les traitements de pointe, maintenant, on utilise, tu sais, la greffe fécale. Donc tu prends la matière fécale d'un porteur sain et tu viens la greffer par un petit tuyau de... Oui, non mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais tu dois pas remettre une seule bactérie, tu vois. Tu dois réussir à remettre tout un écosystème. Alors, il n'y a pas moyen de le recréer, ça. C'est ça. En Nouvelle-Zélande, les requins pointe blanche océanique, ils prennent en chasse des groupes de globicéphales. Et pas pour chasser les globis directement, pour récupérer leur caca. Parce que dans leur caca, on trouve des gros morceaux de calamar des profondeurs pas digérés. Que les requins pourraient pas aller chasser eux-mêmes. Et c'est vachement bizarre de demander aux gens si ça va à chaque fois, parce que à la base ça vient quand même de est-ce que ça va à la selle. Donc, tous les jours on est en train de s'inquiéter du caca des gens qui nous entourent. Ah, combien fait caca ? Ouais, moi c'est moyen en ce moment, mais ça va. Alors que quand tu sais que l'ambre grise, c'est quand même un truc qui se vend plus cher que l'or au kilo qui est utilisé partout en parfumerie, alors que c'est. C'est la fin de la vidéo là. C'est générique en fait. Et moi je continue de parler, vous ne me prenez pas. En fait vous en fichez de ce que je raconte depuis tout à l'heure.